Alléluia, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom à vous. Shalom dans vos maisons. Shalom dans vos familles. Shalom dans vos lieux de travail. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Bienvenue à votre émission, Une parole pour un chrétien. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un thème vraiment important pour tout enfant de Dieu qui désire réellement s'accrocher et faire la volonté du Seigneur, s'accrocher au Seigneur et ainsi faire sa volonté. Mais avant toute chose, nous allons recommander ce moment à celui qui est maître des temps et des circonstances. Donc, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Te disons merci pour ta bonté, ta fidélité, cette émission que tu permets encore. Merci pour tes enfants à travers le monde qui seront visités, touchés par toi au travers des paroles que nous allons en ce soir, Père éternel des armées, partager et décortiquer. Viens parler à quelqu'un et viens disposer toutes choses. Que ton esprit nous assiste, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, le thème que nous allons traiter en ce jour s'intitule comme si « Être lié au cep pour produire des fruits ». Être lié au cep pour produire des fruits. Et nous allons le voir dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Donc, nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Car le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Parole du Seigneur. Amen. Donc, le Seigneur ici prend une image. Une image pour montrer à tel point nous devons être attachés à lui uniquement. C'est l'image d'un arbre. Un arbre fruitier, comme la mangue, comme le manguier, par exemple, le goyavier, le papayer, le pommier. Donc, c'est cet arbre-là qui représente l'image que le Seigneur a donnée dans cette partie de la Bible, Jean 15, verset 1 à 8. C'est l'image d'un arbre dont le tronc est composé de plusieurs branches, et les branches produisent des fruits en les saisons. Donc le Seigneur dit, je suis le cep. Le cep, c'est le tronc de l'arbre. Les sarments, ce sont les branches de l'arbre. Et les fruits, bien entendu, c'est ce que produit l'arbre fruitier. Alléluia. Donc le Seigneur dit, je suis le cep, je suis le tronc, je suis le principal. Celui qui s'attache à moi, celui qui demeure attaché à moi, il portera beaucoup de fruits. Imaginons que nous avons un arbre, un manguier, par exemple, dans notre cour, et on prend une machette ou une tronçonneuse et on coupe une de ses branches. Sachant que nous sommes dans la période de la saison des mangues, vous allez voir que la branche qui a été coupée va commencer à sécher et elle sera bonne pour le feu. Alléluia. De même, quiconque ne reste pas attaché à Christ, quiconque ne reste pas collé, scotché au Seigneur, ne peut porter des fruits. C'est évident. J'ai pris l'exemple. La branche qui a été coupée, lorsqu'elle tombe, elle sèche et elle est bonne pour le feu. Cette branche-là ne peut en aucun cas porter des fruits. Ce n'est pas de la magie. Alléluia. Et il a dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, le Père, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, alors l'arrache et il est bon pour le feu. Donc, tu ne peux pas être un sarment, c'est-à-dire une branche inutile sur l'arbre de Dieu. Mais étant un sarment, une branche, lorsque tu es connecté à Christ,
Lorsque tu es attaché à Christ au travers de sa parole, tu produis beaucoup de fruits. C'est en cela que tu es un serviteur utile entre les mains de ton maître. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, nous devons rester attachés à Christ. Aujourd'hui, beaucoup restent attachés à des hommes. L'homme ne peut rien pour nous. L'homme est limité comme nous. Mais Christ est illimité. Je veux t'exhorter à t'attacher à Christ, à rester attaché à sa parole, à rester attaché à ses enseignements, à rester attaché à ses commandements, à rester attaché à ses ordres. Ce que le Seigneur dit de faire, ce que le Seigneur demande de faire, fais-le. Ce que le Seigneur interdit de faire, ne le fais pas. Peu importe l'opinion des hommes, peu importe ce que les gens penseront de toi. Mais ce qui est important, c'est ce que Christ pense de toi. Et lorsque tu seras attaché à Christ, lorsque tu vas rester scotché au Seigneur, c'est alors que par son esprit, qui représente la sève de l'arbre qui donne à la branche de grandir, c'est par son esprit que tu pourras produire les fruits, selon Galates 5, 22. Donc, il nous faut, en tant qu'enfant de Dieu, avoir en pensée, à l'idée que notre seul salut, notre seul moyen de pouvoir produire des fruits dignes de notre repentance, dignes d'être enfant de Dieu, dignes de notre appartenance à Christ, c'est d'être scotché à Christ, comme le sarment qui est collé au cèpe, qui reste attaché au cèpe. Alléluia. Et il dit au verset 5, « Je suis le cèpe, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Donc, si, en tant que sarment, tu es collé au cèpe, la sève du tronc va entrer en toi, en tant que sarment, en tant que branche. La sève qui représente quoi? Le Saint-Esprit qui va entrer en toi. Donc, l'Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu lui-même en toi. Et Dieu en toi te donnera de porter beaucoup de fruits dignes de la repentance, beaucoup de fruits dignes du royaume des cieux, et non les fruits de la chair ou les fruits de la mort, comme on le voit aujourd'hui. Alléluia. Et il dit encore, si quelqu'un demeure en moi, il est jeté, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, le sarment, on le jette au feu et il brûle. Amen. Et il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc, le sceptre, le sarment est collé au sceptre par la parole de Dieu. La seule façon qu'on saura, par laquelle on saura que tu es attaché à Christ, c'est quand tu mets en pratique sa parole. C'est la parole qui te lie. C'est la parole qui te lie au sceptre. C'est la parole en tant que branche qui te lie au tronc de l'arbre et par laquelle tu pourras porter beaucoup de fruits. Si la parole de Dieu est en toi, c'est le Seigneur lui-même qui est en toi. Et la parole de Dieu te donnera de porter beaucoup de fruits dignes du royaume des cieux. Alléluia. Donc, je veux t'exhorter, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, à rester attaché à la parole, attaché à Christ, attaché au sceptre qui te permettra, en tant que sarment, de produire de bons fruits, des fruits agréables au maître, des fruits agréables à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je veux encourager quelqu'un vraiment à s'attacher à Christ, à plonger ses regards dans la parole et à mettre en pratique tout ce que le Seigneur recommande dans sa parole. C'est là qu'on sera appelé des serviteurs justes, des serviteurs utiles entre les mains du maître. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, je prie au travers de cette parole de toucher le cœur d'une personne, de visiter une personne afin que si une personne n'avait pas compris, un de tes enfants n'avait pas compris, qu'il fallait s'attacher à toi plutôt qu'aux hommes. Seigneur, au travers de cette parole, tu puisses toucher son cœur, afin que, Père, il ait seulement le regard fixé sur toi, toi le sceptre, et nous qui sommes les sarments, toi par qui nous portons beaucoup de fruits, et tu l'as dit dans ta parole, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, aide une personne dans sa marche chrétienne. Aide une personne dans sa vie de sanctification. Aide une personne dans, sa vie de consécration. Afin que, Seigneur, la vie de tes enfants te soit agréable. Merci de visiter les cœurs, merci de visiter les pensées au travers de cette parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Peuple de Dieu, ça a été un plaisir d'avoir été à votre compagnie. Nous allons vous dire shalom et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre émission Une parole pour un chrétien. Shalom, shalom, shalom.